Parce que je fais des vidéos sur YouTube, c'est pour ça. Ah, comment vous t'appelez là? C'est Ça me suffit. Ah, j'ai vu déjà, ouais. Ah ouais, c'est vrai. Démarre. J'ai vu. Ouais, bah, j'ai la GoPro qui filme la route et celle-là qui me filme moi quand je dois parler et tout à la caméra, quoi. Ouais, mais moi, les motos hyper sport, c'est pas pour moi. Ouais, faut être jeune pour ça. Aïe, coup dur pour Guillaume. Donc c'est ça les bails à Rouen. Magnifique. Magnifique. Elle fait un bruit magnifique. Ah ouais, ouais, de ouf. Franchement, ouais. Ouais, je viens de Paris là. Je viens de Paris là. Tu viens de Paris? Ouais. Ouais, bah faut bien. Hein, hein? Ouais, vite fait, ouais. Ouais, c'est ça, bon courage. Ça va mec? Tranquille. C'est qui? Ah ok. Attends, vas-y, je t'en ai là gros. Et je vous dis les gars, hier soir, je suis comme vous, j'ai assisté à ce tsunami, ce désastre. Oh papa! Oh papa, tu veux nous rendre de fous? Tu veux que je vienne? Quoi? Vas-y là, nique ta race. Qu'est-ce qu'il me raconte? Wesh. Et Doria, il me calme. Mais ça me bat les couilles de vos critères. Faut que j'avance un peu. Ah. Ah. Ça roule. Ok, bon ben ça marche, merci. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation. Oh vas-y. On se poursuit avec la police. Oh, il est dégueulasse son Mercedes à lui. Dégueulasse. Mais dégueulasse. Mec, tu as l'impression de quoi? Quoi? J'avais l'impression qu'on était en train de sauver les... Mais mec, c'est ce que j'étais en train de dire. On était là. Mais mec, ils font une course poursuite en 125, mon gars, dans Paris. Je suis mort. En plus, fais gaffe avec son pneu parce que j'ai pas envie qu'il m'éclate à la gueule, tu vois, genre en mode. PAM! Allez, c'est parti! Allez, cours, bâtard! Bon, là, en fait, on va où comme ça? On va chez Gomme. Pneu Gomme ou Gomme. Chez Gomme. Gomme Pneu, je sais pas trop. Ok. Et pour faire changer le pneu avant de la moto du Padré. Allez, tu sais où on va d'ailleurs? Moi non plus. Ah c'est parti. Donc ouais, je dis bien, on va changer le pneu arrière de du YBR du Padré. Parce qu'il est dans un état, frérot. Tu fais quoi là? Ouais, reste tranquille.
Je sais pas ce qu'il a foutu derrière, putain. Ah, il me tue. Ah, c'est là. Eh, c'est toi qui fais des dérapages d'enculé. Ah, putain, ça me tue, mon gars. Il respecte rien. Voilà. Bon, on arrive à bon port et en gros, je te montre pourquoi on doit changer le pneu arrière. Tu vas tout de suite comprendre. Alors, voilà pourquoi. Théma, comment il est en train de se cisailler là. Tu vois, je sais pas si tu verras bien à la caméra. Voilà, Team Gros Doigt. Donc voilà, on va mettre un Pirelli Diablo Rosso pour frotter le coude. Lourd. A few moments later. C'est quoi? C'est quoi? C'est pour mettre le paquet club ça? C'est quoi ça? C'est la mécanique, ça tient. Ah c'est tout? C'est pas grave, elle a une cuisine. Ouais voilà. Ça lui fera pas de mal. Hop, hop. T'as cru te débarrasser de moi comme ça? Va laisser passer le bus parce qu'après il va casser les couilles. Et toi mon gars, il y a les Schmitt en plus. Eh, il y a les Schmitt, vas-y viens. Gros, il y a les Schmitt. Mais non, mais papy, mais fais pas des trucs comme ça. Oh, mais gros, là, franchement, tu cherches aussi. Oh là, qu'est-ce qui se passe, là? Oh là là. Oh là là, ça part en yoku, là. Ça partait en yoku, mon gars, Rodrège. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas compris. En tout cas, moi j'étais prêt à mettre des coups de casque. Hein. Avec moi le LS2 là. Coups de casque. Dans nos têtes. Ah ouais, il est chaud lui. Oh, il a pas le time. Ah, il a fait une queue de poisson trop sale. Ah là 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 là. Oh les gars, j'interromps volontairement cette vidéo pour vous parler d'un jeune prodige, Alexis Boudin, dit Sixla Rider. Alexis Boudin, le prodige, fait deuxième l'après-midi. On prend les mêmes et on recommence dans la course 2. Alexis Boudin, numéro 6, ferraille avec Enzo Ciolotto pour s'offrir le podium. Tom Berceau. Alexis Boudin signe le troisième temps. Tom Berceau au guidon de sa Yamaha numéro 93. Et derrière, c'est le retour d'un prodige. Alexis Boudin signe le deuxième temps. Hiérarchie respectée du côté du Super Sport 300 avec la troisième place d'Alexis Boudin et sa Kawa numéro 6. Allez,
toujours plus vite, toujours plus loin, rendez-vous à Carole pour découvrir un autre prodige, Alexis Boudin, passé lui aussi en pré-moto 3 en 2018. Il est désormais le Benjamin de la catégorie Supersport 300. Ce petit jeune en question a 14 ans. Il est en Supersport 300 pour le moment et il fait des résultats de dingue. Le problème, c'est qu'il manque de soutien, les amis. C'est sûrement le futur Fabio Quartararo. Mais pour qu'il le devienne un jour, pour lui donner cette chance, il a besoin de vous, il a besoin de nous, il a besoin de toi derrière ton écran. Pour le faire évoluer au plus haut niveau, il faut des sous. Et ça, je pense que je t'apprends rien. Le sport automobile, le sport moto, coûte très cher. Et pour avoir une chance de financer ses saisons, il a besoin de vous, les gars. Donc allez le soutenir un maximum. Six La Rider, il a un compte Instagram. Je te mettrai le lien là tout de suite à l'écran. Va voir ses photos. N'hésite pas à lui dire que voilà, que tu le soutiens. Moi, je suis grave derrière toi, Alexis. Si jamais tu regardes la vidéo, si jamais on te la montre, lâche rien. Je crois en tes capacités. Je sais que je suis pas le seul. Et grâce à votre soutien, peut-être qu'il pourra intégrer la Red Bull Rookie Cup, qui est l'antichambre de la Moto 3, les amis. La Moto 3, vous imaginez? Alors voilà, on a un talent brut, un diamant qu'il faut sculpter. Et c'est avec vous qu'on va y arriver, les gars. Donc si jamais vous êtes intéressé par le projet, que vous voulez aider un jeune adolescent bourré de talent, sympathique, et eh ben n'hésitez pas à le faire en le suivant sur Instagram, SixLaRider. Je vous remercie d'avance. Et Alexis, gros big up à toi. Je vais te suivre de très très près. J'ai hâte de te rencontrer un jour, en tout cas. Always look on the bright side of life. Ah, ça partit en départ arrêté, mon pote. On va voir ce qu'elle a dans le ventre. Bon, ça tracte un peu, on va dire.